Mesdames et messieurs, bienvenue à Découverte. Comme vous savez, la fois passée, nous étions en Europe. Nous sommes encore restés là-bas. On va découvrir encore un homme merveilleux. Il est pasteur à l'église Sainte-Résurrection, qui est en plein Paris. Et nous avons voulu présenter un peu sa vie, vous le faire découvrir, voir comment est-ce que Dieu peut passer dans la vie d'une personne pour l'élever dans un milieu qui n'est pas son milieu des naissances. Je cite donc le pasteur Douglas Kiongera, que j'aimerais que vous découvriez juste après ces numéros. Un seul verset, alors que certains d'autres, tu as besoin de plusieurs versets pour te faire comprendre. Lui, un seul verset suffit pour t'emmener dans des profondeurs inimaginables de la parole de Dieu. Parce que ils ont cette faim, cette soif et cette passion d'aller en profondeur et ils vous communiquent ce désir, cette faim de la parole de Dieu. Les docteurs vous donnent un désir. Plus un désir ardent d'apprendre. Quand tu as affaire à un docteur, si tu n'as pas, si tu n'as pas le désir d'apprendre, si tu es un enfant de Dieu, bien évidemment, tu n'as pas le désir d'apprendre encore, c'est que c'est compliqué. Parce qu'un docteur te ment, dans sa manière de faire, dans sa manière d'expliquer, tu te rends compte que tu ne connais pas. Juste une parenthèse. On a reçu des docteurs ici dans cette église, voilà, plein. Nous bénissons les seigneurs pour leur vie, pour leur ministère. Mais je vous assure, l'un d'entre eux, le docteur George Cope, quand il passe le même texte, je me rappelle une fois, il nous a prêché sur Matthieu 7, 7. Je me suis dit, mais je ne lis pas la Bible. Je dis, c'est pas possible. Tellement profond, tellement succulent, tellement. Je suis allé faire des recherches. Pourquoi? Parce que c'est ça leur onction. C'est ça l'onction qui agit dans leur vie. D'accord? C'est pas forcément dans. Ça ne bouge pas, mais ça vous fait bouger. Vous voyez? Il n'est pas trop charismatique, mais ça bouge quelque chose en vous et ça vous déplace de l'ignorance vers la connaissance et vous changez. Vous posez des actes et les résultats sont là, les fruits sont là. C'est un ministère très important que le diable veut, n'aime pas. D'accord? Amen. Alors, notez six choses pour lesquelles, qui sont attachées un peu au ministère de docteur. Allons-y rapidement. Six choses attachées au ministère de docteur. Le docteur travaille avec la parole de Dieu et partage, premièrement, les principes et les voies de la parole de Dieu. Les docteurs partagent et connaissent et partagent vraiment beaucoup sur les principes. C'est très important de connaître les principes. Les principes, ce sont des lois. Pas des lois humaines, des lois naturelles, des lois divines. Des lois incontournables. Des choses incontournables. Si vous voulez accéder à un certain nombre de choses. D'accord? Les lois ou les principes, ce sont des clés. Quand vous entendez souvent clé, 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 c'est un principe. Tu mets en pratique, tu vois le résultat. D'accord? Très important. Et il partage beaucoup. Deuxièmement, il partage beaucoup les textes de la Bible. Ils peuvent aller dans des versets, dans des chapitres, dans des livres même, ou dans le Testament, ou encore dans toute la Bible. Donc, il a une vision aussi bien des détails, mais aussi une vision panoramique. Voilà, donc de retour au plateau, comme je vous ai dit, je ne suis pas seul. Je suis accompagné avec le pasteur Douglas Kiongeka, je crois que c'est ça que je vous ai. Pasteur Douglas, bonsoir. Bonsoir, pasteur. Alors, nous sommes très honorés de vous recevoir dans notre plateau de Metanoia TV. Merci beaucoup. Je suis très honoré aussi d'être là. Déjà que nos téléspectateurs vous connaissent très bien. Ah. Et ils apprécient beaucoup ce que vous faites. Nous recevons beaucoup de témoignages des personnes qui sont touchées par votre message. Alors, c'est vrai qu'ils vous voient au loin, mais vous-même, comment vous définissez le pasteur Douglas? Très difficile de parler de soi. Ben, je peux dire que le pasteur Douglas est un enfant de Dieu, Amen. un amoureux de Jésus, Ok. un disciple du Seigneur et un passionné de la mission à gagner les âmes, à arracher le maximum d'âmes de l'enfer pour les amener dans le royaume de Dieu. Amen.
un petit prédicateur, si je peux le dire. Nous sommes pas d'accord avec vous. Qui essaye d'enseigner les voies du Seigneur. Je suis pianiste aussi, donc j'aime beaucoup l'adoration. Donc, Dieu m'a fait également la grâce de pouvoir aussi écrire quelques livres. Okay. Et je suis aussi entrepreneur, travaille un peu dans les investissements. Wow. Voilà, donc si je peux résumer un peu qui je suis, marié à une seule femme, Lydie Kiongeka. Salutations maman, là où vous êtes. Une fervente servante de Dieu, Amen. Remplie de feu, une adoratrice, wow. Avec une voix, mais waouh. J'aimerais bien la recevoir ici la prochaine fois. Vraiment. Qu'elle nous fasse un peu ses morceaux. Je pense que la prochaine fois, elle sera là. Amen. Maman, vous êtes déjà la bienvenue parmi nous. Vraiment. Et Dieu nous a accordé la grâce d'avoir avec elle 4 enfants. OK. Dont l'aîné a 21 ans maintenant. Wow. Ouais, ouais. Non, 20 ans. 20 ans et demi. Elle aura 21 ans l'année prochaine. OK. Et donc, 3 filles et un garçon. Et la cadette qui a 3 ans et demi. Oh, voilà, donc okay. Le carré assez important. Oui, oui. Hein. Donc voilà, voilà. Donc on est basé à Paris, okay. Dans la région parisienne. Je suis en Île-de-France. En Île-de-France, oui. Okay. En Île-de-France. L'église que le Seigneur nous accorde de donner la grâce de diriger, cette résurrection a vu le jour en 2013. Okay. Et également le siège est à Paris et avec aujourd'hui, 9 extensions, wow. en France, au Canada, okay. Et puis en Afrique aussi, okay. Et dans les îles. Oh. Oui, par la grâce de Dieu. Donc, voilà un peu ce que nous sommes et ce que nous essayons de faire dans ces quelques années que nous avons commencé l'œuvre. Je ne suis pas converti là, mais quand l'œuvre a commencé jusqu'à aujourd'hui, voilà un peu le parcours. Wow. Oui. Non, mais c'est un parcours quand même. Élogé. Ça, c'est comme on dit, c'est Dieu qui fait ça. Alors, on aimerait d'abord faire quelques années en arrière. Nous sommes un peu renseignés sur vous. Mmh. Vous êtes né au Congo. Mmh. Vous avez même connu le Seigneur ici au Congo. Oui. Parlez-nous un peu de votre début avec le Seigneur. Je suis né ici au Congo, à Kinshasa précisément. Et j'ai fait l'école primaire, j'ai fait... l'école secondaire. Ah bon? Oui, oui, ici. J'ai eu mon diplôme d'État ici. Okay. Oui. En 1997. Voilà, okay. 97. Et j'ai connu donc le Seigneur. J'étais très jeune. Donc, je devais avoir 15 ans par là. Je fréquentais un peu l'église, mais la rencontre sincère avec le Seigneur était à cet âge-là. Et à l'église Arche de l'Alliance, l'extension, oui, l'extension de la Borne à Massina. Ok, la première extension de la Borne. Première extension, ouais, wow. Ouais, de la Borne. Ok. C'est mon église, ah bon. Avec le révérend pasteur Israël Sembe qui est mon père spirituel. Nous te saluons en tout cas, que Dieu vous bénisse. Vous faites un excellent travail au loin. exactement. Il nous avait fait la surprise hein, le week-end dernier à Paris, wow. Avec son épouse. Maman Foura, donc voilà un peu. Donc j'ai évolué là jusqu'en 98, vers fin 98. J'ai quitté le Congo après mon diplôme d'État pour me rendre au Maroc où j'ai fait les études d'informatique de gestion. Ok. Oui, après ça, j'ai fait une année d'une formation accélérée. Et en 99, donc vers la fin de l'année, je me suis rendu donc en France. Où je suis et j'habite jusqu'à aujourd'hui. Ok. Donc voilà un peu. Donc j'ai accepté Jésus-Christ ici et j'ai commencé mes premiers pas avec le Seigneur ici. Et puis voilà. Et en Europe, quand vous êtes arrivé en Europe, c'est vrai que vous avez déjà un bagage, mais les milieux ne vous a pas un peu bougé, ne vous a pas dérangé parce que bon, c'est un milieu où la société, déjà les gouvernements font déjà beaucoup de choses, comme je dis toujours. La plupart des gens sont tournés vers le Seigneur en Afrique parce qu'il y a d'abord la misère. Mais déjà, il y a déjà tout un système, surtout en France, où il y a un strict minimum qui est quand même permis pour les gens. Ça ne vous a pas un peu bougé dans votre foi au départ? Non, parce que tout dépend de comment est-ce qu'on a rencontré le Seigneur. Okay. Je pense qu'il y a des conversions qui ne sont pas des vraies conversions. Se convertir parce qu'il y a la misère, ce n'est pas une vraie conversion.
s'est converti parce que on est dans le besoin, parce qu'on veut se marier, on veut voyager, on veut. C'est pas de vraie conversion. Okay. La vraie conversion, Dieu peut se servir de ça pour t'amener quelqu'un à la conversion, mais ce n'est pas d'abord ça. La vraie conversion, c'est lorsqu'on rencontre Jésus, la personne du Seigneur, et on lui donne totalement son cœur. On comprend que notre existence n'a de sens qu'en lui, qu'en Dieu. On retrouve l'image de Dieu qu'on avait perdue dans notre état de péché. Et on revient entre les mains de celui qui tient notre destinée entre ses mains, qui tient notre avenir, pas seulement sur cette terre, mais au-delà de cette terre, après notre mort. Il y a une vie. Soit loin de Dieu, en enfer, soit dans le paradis. Okay. Et quand j'étais jeune, j'ai eu plusieurs visions. Ça, j'aime beaucoup parler de ça parce que c'est ça qui m'a aussi interpellé sur la réalité du monde spirituel. Okay. J'ai eu des visions où je voyais l'enfer. Ah à bon? Quatre reprises, j'ai vu l'enfer. Et j'ai vu les gens souffrir dans ce lieu-là. Et j'ai vu aussi, par la grâce de Dieu, le ciel. Avec des choses que je ne peux pas décrire. Okay. Vraiment. Alors, je connais un peu la réalité de ces deux mondes. Le monde des ténèbres, va par les visions. Alors, ce n'est pas le matériel, ce n'est pas le confort, encore moins la beauté de ces nations-là qui m'ont impressionné. Au contraire, ma foi, mon amour pour le Seigneur, mon engagement, ma consécration a été beaucoup plus intensifié en Europe qu'ici. Wow. Qu'est-ce que tu dirais à ces messieurs qui nous suivent, oui. Qui pensent que l'enfer, le ciel, ce sont des imaginations de la théologie pour soit faire peur aux gens, etc. Qu'est-ce que vous lui direz, vous qui avez eu à expérimenter ça? Qu'est-ce que vous direz à une personne qui nous suit en ce moment? Je dirais à cette personne que c'est une réalité. Pour moi, il y a déjà eu des visions que j'avais eues. Je ne connaissais pas encore Dieu. Je ne connaissais pas encore les Écritures en profondeur. Et ça m'avait tellement effrayé. Vous pouvez voir des gens qui sont pratiquement au bord de la mort. Leur état. Ceux qui sont sans Dieu, généralement, ont très peur. Ont très peur parce que l'endroit où ils sont en train d'aller et les personnes qui commencent à voir, qui viennent les chercher, ce ne sont pas des personnes bienveillantes. Okay. Ce sont des personnes malveillantes. Ce sont des puissances occultes et qui viennent arracher leur âme et les emmener dans le séjour de mort. Et dans le livre de Luc au chapitre 16, à partir du verset 19, la Bible nous parle de ces deux réalités. Oui. On nous parle de l'histoire de Lazare et de l'homme riche. L'homme riche, il n'est pas allé en enfer parce qu'il était riche. Il est parti en enfer parce qu'il ne croyait pas. D'ailleurs, il y avait un homme riche, Abraham, qui était au ciel. Voilà. Voilà. Et le pauvre qui croyait, quand il est mort, il fut porté par des anges. Ça veut dire que lorsqu'on approche le moment du départ, il y a toujours une ouverture au monde spirituel. Et nous voyons, les personnes qui partent voient quelles sont les puissances qui viennent les récupérer. Amen. Est-ce les puissances démoniaques pour t'emmener dans le lieu de condamnation dans un lieu où il y a des flammes de feu, dans un lieu de tourment, ou bien ce sont des anges qui viennent te porter pour t'emmener dans un lieu de repos, de félicité. Ayant eu cette expérience-là au travers des visions, et la Bible a confirmé ces choses, je ne le dis pas seulement parce que j'ai eu des expériences, la Bible confirme ça, et la Bible est vraie, la Bible est la parole de Dieu, la Bible est le seul livre digne de confiance. Alors, ce n'est pas pour faire peur à qui que ce soit. Ce sont des réalités. Sauf que c'est la vérité qu'il faut simplement accepter. Venir à Dieu, ce n'est pas vous priver de beaucoup de choses. Beaucoup de gens ont une mauvaise conception. C'est pas parce que tu viens à Dieu. Nous sommes heureux en Christ. Nous. Voilà, on est très heureux. Venir en Christ. Et pas nous-mêmes. Ce n'est pas que tu ne vas plus manger, tu ne vas plus t'habiller, tu ne vas plus voyager, tu ne vas plus... Non, au contraire. Sauf que ta vie... Et encore mieux même qu'avant. Et meilleur. C'est vrai même, tu es parce vrai. Parce que tu retrouves même le sens, de ta vie. Le but de ta vie. Mm-hmm. Parce qu'il t'a créé pour un but. Mm-hmm. Et ce but ne peut être retrouvé qu'en Christ, en le rencontrant. Et tous ceux qui ont fait la rencontre sincère avec le Seigneur et qui tiennent la voix, la main de Dieu et qui marchent dans la parole de Dieu,
eh ben, ne sont jamais déçus. Amen. Regardez dans l'Ancien Testament, tout comme dans le Nouveau Testament, il y a plein de preuves qui montrent que ces personnes sont les personnes les plus heureuses. Amen. Et moi, je vous dis, si tu veux, si tu ne sais pas comment on fait pour rencontrer le Seigneur, il y a le numéro de téléphone au bas de l'écran. Écris-nous. Nous allons t'aider à recevoir le Seigneur. Nous allons t'orienter vers une bonne église qui va t'encadrer. Et tu verras un sens à ta vie. Alors, revenons dans ce qu'on disait. Pasteur Douglas, vous arrivez en Europe en quelle année, vous dites comme ça? En 99. Et vous commencez cette résurrection en 2012. Oui. Comment ça s'est passé cette période-là? Très bien. Alors, je suis arrivé chez mon oncle qui m'a d'abord emmené dans son église. Et donc, je fréquentais donc, l'église de mon oncle. Et là-bas, je me suis intégré. J'ai beaucoup progressé d'ailleurs dans cette église-là, l'église évangélique Les Seigneurs du Christ. Okay. Et c'est là-bas que j'ai fait quasiment 12 ans. Et j'ai été responsable d'abord du nettoyage. Ah bon? Ensuite, responsable du social. Okay. J'ai été responsable de la jeunesse. J'ai été responsable de l'évangélisation. J'ai été responsable de la chorale. J'ai été responsable des médias. Okay. Donc, j'ai presque fait beaucoup de choses. Et après, j'ai été promu pour être quelques années après, je crois en 2002. J'ai été reconnu en tant que pasteur évangéliste dans cette église. Et quelques années après, je crois 3 ou 4 ans après, j'ai été donc pasteur assistant du pasteur principal de l'époque. Donc, c'est là-bas que j'ai fait mes premiers pas, en tout cas. J'ai vu la grâce qui se manifestait aussi dans ma vie. Avec l'encadrement que j'avais, j'ai appris à être rigoureux dans le Seigneur. J'ai appris à être discipliné avec le Seigneur. J'ai appris à être sérieux, okay, constant et consistant dans l'œuvre de Dieu. Wow. Donc depuis 2004, j'ai commencé à animer des croisades d'évangélisation, des campagnes d'évangélisation. J'ai fait la Martinique, j'ai fait certains pays d'Afrique. En 2006, j'ai tenu une grande croisade ici, au terrain de Sainte-Thérèse. Ok. Voilà, dont le thème était « Église, réveille-toi ». J'avais été aidé par, à l'époque, le pasteur Henri Papa, okay, Sandra Mouilly, okay, et la chantre du Seigneur. Et frère Patrice aussi, le pasteur, okay, Patrice Boyemoussoko qui était, oui, là aussi. Donc j'ai fait quelques actions ici au Congo. Mais j'ai beaucoup travaillé dans les conférences et dans plusieurs pays. Donc la Martinique, la Guadeloupe, le Canada, les États-Unis. Je suis allé au Brésil, ah bon, ici au Congo, donc ici en Afrique. Donc j'ai fait des actions au Ghana, Togo, Lomé, Bénin, à Côte d'Ivoire, Gabon, Cameroun, l'Afrique du Sud. Puis je suis allé vers l'île de la Réunion, l'île Maurice, sans parler des autres pays un peu au niveau de l'Europe. Donc la Belgique, l'Allemagne, la Finlande, l'Angleterre. Bref, donc j'allais et on m'envoyait beaucoup aussi pour implanter les églises. Donc j'avais déjà cette grâce-là qui se manifestait. Et avec beaucoup de guérisons, beaucoup de délivrances dans les services, mm-hmm, et également la parole de Dieu qui touchait beaucoup de personnes. Et en 2011, j'ai commencé à avoir des petits soucis là où j'étais. Et c'était en fait un langage de Dieu pour que je puisse vraiment sortir, mm-hmm, pour commencer justement une nouvelle œuvre. Alors, ne comprenant pas très bien ce qui arrivait, j'ai été donc aidé par justement mon père spirituel, donc le pasteur Israël Sembe, qui m'a justement fait comprendre de la part du Seigneur que c'était en réalité le temps de partir et de commencer l'œuvre et qu'il y avait vraiment la grâce apostolique qui devait germer. Amen. Et rester dans le contexte d'avant, ça allait créer plus d'ennuis qu'autre chose. Okay. D'accord? L'objectif, ce n'était pas de créer des clashs, mm-hmm, mais de faire les choses dans la sagesse de Dieu pour que le royaume de Dieu, pour qui nous travaillons tous, puisse connaître un progrès. Mm. Donc, c'est ainsi que en 2012, je suis parti de la mission évangélique des Seigneurs du Christ. Et j'ai pendant ce temps, j'ai pris des temps de retraite. Je fais 2 fois 21 jours de jeûne et prière. Une fois même, c'était quasiment à sec. Wow. Ouais, pour avoir vraiment une direction.
Parce que vous savez, quand vous devez commencer l'œuvre de Dieu, c'est on la commence pas parce qu'on a envie. Et d'ailleurs, je ne me voyais pas être numéro un. Non. Ah Je me bon? considérais comme un bon numéro deux. Ah Et bon? j'étais très fier de l'être et j'étais très percutant dans cette position-là. Et alors, basculer à être numéro un, être à la tête d'une œuvre, sincèrement, je ne voulais pas échouer parce que j'aime pas l'échec. J'aime vraiment pas Ça, l'échec. c'est la caractéristique des champions. Voilà, j'aime pas l'échec. Alors, je me dis, pour commencer pour échouer, non. Non. Et le contexte dans lequel on est, en Occident, en Europe, en France notamment, les églises, il y en a beaucoup, il y a beaucoup d'églises, beaucoup de serviteurs, mais pas beaucoup percent, arrivent à percer. Alors, tout ça, ça me faisait un peu peur. Donc, alors, je voulais vraiment être rassuré. À un moment donné, j'ai failli fuir la France. Oui, j'ai dû me rendre au Canada. Oui, j'ai demandé comment dirais-je, le titre de séjour au Canada. Je suis français, donc j'ai le passeport français. Donc aller au Canada, ce n'est pas un C'était pas un problème. problème. Donc j'arrive donc là-bas, je fais les démarches. Et pendant que j'étais là-bas en voulant fuir, je reçois un message. Déjà, Dieu me parle dans le cœur. J'ai résisté un peu. Je vais dans une retraite spirituelle. Deux femmes de Dieu viennent me voir et me disent, tu es en train de fuir l'appel de Dieu. Dieu ne te voit pas ici. Tu dois rentrer d'où tu viens. Wow. Alors j'ai demandé à ma Ça, femme, c'est Jonas. j'ai demandé un signe que Dieu touche ma femme. J'en parle à ma femme. Elle dit, non, si Dieu a parlé, tu reviens. Donc je suis revenu. C'est OK. comme ça que j'ai laissé le Canada, mes projets, les objectifs pour le Canada. Je suis revenu en France pour maintenant commencer cette résurrection. Et cette résurrection a commencé. Je me rappelle le premier culte, c'était encore une cellule. Hein. J'ai commencé la cellule, c'était en juillet, en juin 2012, dans mon salon. Premier culte, moi, ma femme et les trois enfants. J'ai dit, Wow. aujourd'hui, on commence cette résurrection. Donc, j'oublierai jamais. Wow. Donc les enfants ont Ça. vu comment cette Oh résurrection. là, oh là. Wow. Et c'est Alors, le nom c'est. l'idée, je vais expliquer. OK. L'idée de Seb est venue du fait que Dieu m'avait montré une vision en 2009 où il m'avait remis un grand marteau et il m'avait envoyé dans un grand cimetière. Il m'a dit, allez, vas-y, casse les tombes et ressuscite les morts. OK. Et dans la vision, je cassais les tombes et je ressuscitais les morts. J'ai cassé les tombes, j'ai ressuscité les morts. Et à la dernière tombe, je casse, c'est un vampire qui se lève, qui sort. Et je me réveille. Et là, il me donne deux textes. Il me donne Ézéchiel 37 et il me donne Jean chapitre 5. Le Seigneur dit, en vérité, l'heure est venue où ceux qui sont dans les sépulcres entendront ma voix et en sortiront. Ézéchiel 37, nous connaissons, ça parle de la vallée d'ossements desséchés, Oui, le fils de l'homme des pour hommes, des femmes qui doivent sortir des sortir. sépulcres, être restaurés. Alors, c'est à partir de là que je commençais à parler de la résurrection. Et j'ai même écrit un livre sur la puissance de la croix et de la résurrection de Jésus, que je suis en rupture de stock. Et j'ai commencé à expérimenter des puissants miracles. C'était terrible. C'était aussi une des raisons qui a fait que je commençais à avoir des secousses au ministère où j'étais avant. Je ne savais pas que c'était un appel pour moi, pour le futur. Je croyais que c'était juste un message. Alors, quand maintenant je devais commencer l'église, je demande à Dieu, mais je vais dire quoi, tu sais, l'église, il doit avoir il y a déjà beaucoup d'églises. Je préfère aller dans une église, m'asseoir. Je suis allé dans certaines églises de la place. J'ai voulu rester, mais l'Esprit me dit, c'est pas à ça que je t'appelle. Donc, si tu continues comme ça, tu seras un Jonas. Et c'est là qu'il m'a dit, non, souviens-toi des visions que tu as eues, la résurrection. C'est comme ça que j'ai d'abord Mi ministère de la résurrection. Non, je ne t'appelle pas un ministère, je t'appelle à créer une église. D'accord. Alors, comme je veux que Jésus soit au centre et qu'on ne peut pas trop parler de Jésus en avant, je présente Jésus comme le cep et Jésus comme la résurrection. En même temps, j'utilise sur le plan administratif cep comme étant centre évangélique, puissance de la résurrection. C'est bien trouvé. Donc, il y a Donc le la côté pensée, c'est spirituel et le côté je suis les administratif. cèpes et vous êtes les serments. Voilà. Et puis après, vous allez Christ et la trouver aussi. résurrection. Waouh!
et dont le T de la résurrection nous rappelle la croix. Oui, je vois comment vous écrivez ça. Et l'oiseau du Saint-Esprit. Justement. Waouh. Ah non, mais c'est beau ça. Voilà. Et vous commencez en 2012? On a commencé. Non, la cellule, je commençais en 2012. C'était encore les mardis. Et les dimanches, j'allais visiter les églises. J'en ai fait plein d'églises. Je voulais quand même voir un peu autre chose. Comment ils font? Voilà. J'ai visité la parole du salut. J'étais à plusieurs églises, en tout cas de la place. Ici, c'est les autres. Et maintenant, c'est en avril 2013, pardon, que je lance officiellement maintenant l'église Sa Résurrection. Okay. Donc aujourd'hui, donc, on est en 2024, donc ça nous fait 11 ans. 11 ans, c'est ça. Mm-hmm. 11 ans. Et durant les 11 ans, tout a été facile. C'est Ouh. Bien, vous avez connu. 11 ans de galère, 11 ans de souffrance. Ce n'est pas parce que Dieu vous a parlé que ça va être facile. Ah oui, même Jésus, ce n'est pas parce qu'il est fils de Dieu qu'il ne va pas fuir en Égypte. Hein. Vraiment, c'était difficile. Parlez-nous un peu. Alors, je commence. Premier combat, c'est d'abord la grâce qu'on a eue au début, quand j'ai commencé. Les gens, vous savez, vous commencez, vous ne partez pas avec un nom existant. Mmh, mmh. Ça, d'abord, c'est pas facile. Voilà. Donc, on a connu Douglas, mais on ne connaît pas Douglas, cette résurrection. Donc, vous devez faire vos preuves. Vous devez être à la hauteur. Vous devez montrer que Dieu est là. Parce que, malheureusement, quand on est dans des maisons, les gens n'ont pas tendance à considérer ça. Alors, la maison s'est vite remplie. On atteignait déjà une trentaine de personnes. Okay. Donc, on ne pouvait plus contenir à la maison. C'est comme ça que j'ai eu l'idée de prendre la salle. Mais on a pris une petite salle. Et je sais qu'en Europe, les salles, c'est... Ah, les salles coûtent cher. J'ai pris une petite salle de 50 places à Paris, à Crimée, vers le métro Crimée, pour ceux qui connaissent un peu Paris. Là, on est resté quelques temps. Et malheureusement, on nous a chassés. Un jour, on arrive comme ça, on dit, monsieur, on ne veut plus de vous, allez, sortez. Pour rien? Pour rien, on est parti. On se retrouve à la rue. Vous savez, quand vous déplacez comme ça, vous perdez les gens. Ah, c'est clair. On trouve une salle à Vitry. À Vitry, un mois, on nous chasse. Ah bon? Oui. On se retrouve à Choisy-le-Roi. Là, on commençait maintenant à se stabiliser un peu. 8 mois après, on devait quitter. Pour rien? Pour rien. On trouve une salle juste à côté. De Vitry, de Choisy-le-Roi. Et là, on a un voisin qui nous met vraiment la pression. Il met la musique à fond quand on commence le culte. Et quand le culte finit, il s'arrête. Ah, c'est pas vrai. Vraiment, on a eu un persécuteur. En Europe, le tapage comme ça, c'est pas défendu? Si, mais... On a fait venir la police plusieurs fois, ils ne pouvaient rien faire. Ah bon? Ils ne pouvaient rien faire, malheureusement. On a connu ça comme difficulté. On trouve une autre salle, on y va, et là on commence à bien faire asseoir le travail et tout. Et c'est une salle qui était en étage, la mairie vient fermer la salle. Je me rappelle même, c'était après le passage, j'avais reçu le pasteur Marcelo. Ok. Ouais, je le reçois un mardi, et ben la même semaine, on nous met dehors. Pour rien? Pour rien. On se retrouve à l'hôtel. Wow. On se retrouve à l'hôtel. C'était... Ouh là là là. Là, c'est combien chose. D'années déjà? On était déjà dans 2 ans. 2 ans et demi. Wow. Ouais, 2 ans et demi. Après que le travail commence. On se retrouve à l'hôtel. On commence à louer une salle d'hôtel parce qu'on n'avait pas de salle. Et là, c'était très, très pénible. On a à l'hôtel, fait ça ne coûtait mois. Pas très cher. Ça coûtait très cher, mais on n'avait pas le choix. On faisait le culte que les dimanches à l'hôtel. Dans la salle du restaurant en plus, des fois vous arrivez, les gens sont encore en train de déjeuner, on vous demande d'attendre. Voilà les souffrances qu'on a connues. Wow. Pendant ce temps, certaines personnes n'ont pas supporté. Vous savez, les gens aiment bien quand tout s'est fait. Hein. Oui. Quand c'est le début, c'est difficile. C'est difficile. Donc on a tenu et on a trouvé la salle où on est actuellement. C'était la 6e station. Sixième station, et on en trouve une salle qui coûte cher, on n'avait pas suffisamment de moyens. Et alors, j'ai appliqué ma foi, on est parti, j'ai mis tout ce que je pouvais avoir, toutes les ressources qu'on avait, de la famille et tout, pour essayer de faire le travail. Et là, c'est là qu'on a pu rester 5-6 ans.
Et ouais, ça, c'est notre sixième année pratiquement. Et il y a 2 ans de cela, Dieu nous a fait grâce. Bon, ça nous a permis de quand même de stabiliser le travail pour essayer maintenant d'aller beaucoup plus loin. Alors, comme j'avais déjà la vision de pouvoir acquérir un bâtiment, Dieu nous a donc fait la grâce il y a 2 ans et demi déjà. Nous avons pu acheter un grand bâtiment à Paris. Un bâtiment qui peut abriter plus de 1500 personnes enfin, à Paris avec un grand espace de parking, un bâtiment qui accueille du public adapté. Ça a coûté, ça nous a coûté très cher, mais Dieu a fait grâce, non seulement sur le plan administratif, que nous puissions accéder à ça, mais aussi sur le plan financier. On s'est Surtout. bien mobilisé. Personnellement, je me suis dépouillé encore. Quand vous voyez ça, vous vous dites quoi un moment? Les premiers jours que vous avez compris que bon, maintenant, c'est le lieu de cette résurrection. En tout cas, j'ai rendu grâce à Dieu, mais en même temps, je voyais déjà que c'était petit. Et ça a été confirmé par l'apôtre Roland quand il est venu et dit, ne faites pas de ce lieu votre terminus, Parce parce que que Dieu vous c'était. réserve plus grand. Waouh! Exactement. Je l'ai vu, mais c'est déjà petit. Parce qu'à peine on va rentrer, c'est plein. Waouh! Et ouais, je parle un peu de l'histoire de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, c'est celui qui présente Jésus. Et puis, à un moment, quand les problèmes arrivent, il est en prison. À un moment, le doute lui vient et puis il se dit, ah, dites-lui un peu, est-ce que c'est lui ou bien on doit attendre un autre? Est-ce qu'avec tout ce que vous avez vécu, à un moment, vous n'avez pas commencé à avoir des idées qui vous traversaient l'esprit? Bien Est-ce que sûr. j'avais bien compris? Est-ce que c'est moi-même, c'est mon Bien audace? sûr. Quand surtout vous passez par des moments très difficiles, c'est là où vous avez beaucoup de voix qui. Vous entendez beaucoup de voix. Des voix, des fois à l'intérieur de vous-même, mais aussi des voix à l'extérieur de vous. Où il y en a qui disent Dieu n'est pas avec lui. Et des voix qui te disent est-ce que j'ai entendu Dieu? Est-ce que c'est la voix de Dieu? En fait, je peux vous dire que les épreuves font partie de l'appel. Quand Dieu Amen. vous appelle, attendez-vous à une saison. Des preuves, des difficultés, des souffrances, des mondages. D'ailleurs, le Seigneur dit, si tu veux porter plus de fruits, dans Jean 15, l'arbre doit être émondé. Et émondé veut dire, on doit arracher des choses, on doit arracher des impuretés, des branches qui sont impures, pour que tu sois capable de porter plus de fruits. Donc, c'était très dur parce que quand on nous a chassés, on a perdu près de la moitié des fidèles. Du coup, il fallait reprendre une salle qui coûtait beaucoup plus cher. Avec peu de ressources. C'est ça, man. Mais j'ai eu foi. J'ai eu foi en Dieu. Je suis allé. J'ai dit à l'équipe, on y va. Dieu avec nous. Le leader doit avoir suffisamment de foi. Lorsque ces voix viennent pour te perturber, souviens-toi de la parole initiale que Dieu t'a donnée. Dieu veille toujours sur sa parole pour l'accomplir. Il y a eu des moments des gens qui t'ont lâché, qui vont te lâcher certainement. C'est sûr. S'ils ont lâché Jésus, ce n'est pas toi qu'ils ne vont Qui pas vont lâcher. pas lâcher. Il y en a qui vont te lâcher. D'accord? Ne sois pas aigri. Ne sois pas. Ne laisse pas l'amertume gagner place dans ton cœur. Tu dois t'approfondir dans l'intimité. Voilà pourquoi je Amen. parle de la connaissance de Jésus. L'intimité avec Jésus, c'est ça notre force, c'est ça notre base qui nous tient, même en tant que leader, qui va te tenir, te porter, aller jusque là où Dieu t'attend. J'ai entendu Dieu. Et je m'appuie sur ce que Dieu a dit. Voilà pourquoi j'ai vu les miracles que j'ai vus. Amen. Et j'en verrai encore d'autres demain. Amen. Donc voilà, là où on en est. Si on peut si vous mettez le chiffre sur la table, il y en a vont dire waouh, Comment il a comment? Parce que c'est pas des centaines de millions d'euros, c'est des millions d'euros. Voilà. Donc pour On une jeune s'imagine une église vente, c'est pas évident. sans soutien, on n'a pas de partenaire, on n'a pas de partenaire. Dieu est notre partenaire. Amen. On n'a pas d'entreprise et tout. Pour dire que si vous faites confiance à Dieu et que si vous êtes dans vous travaillez vraiment pour la mission de Dieu. Et c'est pas dans le but de se faire voir, la raison pour laquelle d'ailleurs, on fait pas de tapage avec Oui, ça. Nous, ils apprennent ça non. à la télé maintenant, aujourd'hui. Oui, beaucoup ne Ils savent ne même savent même pas. pas, On va juste découvrir. ouais. D'accord? Par contre, on veut travailler dans l'excellence. Et quand votre cœur n'est que pour Dieu et pour le salut des âmes, je crois que Dieu, en son temps, il fait grâce. Et aujourd'hui, Pasteur Douglas, vous avez 9 églises, 9 extensions 9 extensions, oui, à par la travers le grâce de Dieu, monde. oui. C'est à quel moment de votre ministère vous avez décidé, bon, maintenant c'est le moment
de cet homme? Alors, bizarrement, dès qu'on a commencé, ah ben. Déjà, j'imagine que là où vous étiez déjà, c'était déjà votre vie déjà. Voilà. Alors, je me vois partout. OK. Oui, personnellement. Dans le ministère apostolique, crie en vous. Voilà, je ne suis pas appelé à être sur place. Donc, et c'était ça un peu qui était aussi ma difficulté, parce que quand tu commences une œuvre, Il fallait faire asseoir. il ne faut pas beaucoup bouger. Ouais. Alors, il fallait beaucoup de stratégies pour savoir comment faire pour ne pas éteindre ce qui bouillonne en toi, mais en même temps faire asseoir le travail. C'est ainsi que souvent j'ai à me déplacer, mais j'ai des très courts voyages. C'est des fois même, je pouvais faire des voyages qu'en semaine. Je pars OK. un lundi, je rentre un samedi. Wow. Donc, je ne manque pas de dimanche. Et en interne, je travaille très dur. J'avais un travail séculier que j'ai dû abandonner pour me consacrer dans l'œuvre de Dieu. Donc, ce qui fait que ça te prend beaucoup de temps. Et entre-temps, il fallait se mettre aussi à jour, à niveau dans les cours. Donc, j'ai dû refaire la formation théologique. Ah bon? J'ai fait, entre-temps, que je suis en train de bâtir l'église, j'ai fait le bachelor. OK. Avec Mount Olive Institute OK, aux États-Unis, le Canada. du Canada, OK. Hop, Hope Bible. Bible, avec mon frère ami, Dr. Eric, que OK. je salue. Salutations, Eric. Donc, j'ai fait ça, et après j'ai fait le master. J'ai Oui. eu mon master en Christian Leadership, et là je suis en train de terminer donc, mon programme de doctorat. OK. Donc, il fallait tout aménager, et la mission, et l'église, et la formation. Et j'informe ici que j'ai presque une centaine de leaders qui sont formés, qui sont des prédicateurs, qui se préparent. Et certains d'entre eux, vous les prenez puis vous les envoyez. Et il y a d'autres enfants qui se sont venus s'agripper à moi, d'accord, ce que Dieu m'a donné, et que je formais à distance. Et avec la grâce de Dieu, j'ai pu donc leur permettre de pouvoir donc commencer également l'église là où ils sont. Donc c'est comme ça que en quelques temps, on a pu implanter donc au Canada, on a pu implanter au Bénin, à OK. Brazzaville ici, C'était des et gens déjà de cette bien résurrection sûr, que vous oui, avez envoyés. voilà. Wow. Donc à Brazzaville, c'est un fils que j'ai adopté, OK. et c'est lui qui est en train de faire le travail là-bas. On a commencé à 3 ans maintenant, et lui, il vient d'implanter une autre église. OK. Ouais, maintenant les enfants sont en train d'implanter. Ouais, il y Wow. a un qui est au nord de Paris, lui aussi bientôt il va ouvrir notre extension. Il y a un qui est à Reims, OK. et l'église qui sont en train vraiment de bien grandir et de bien s'établir. Et là, il y a une jeune église à Lyon qui est en train de croître aussi par la grâce de Dieu. On a une église à Tunis, en Tunisie. On a une église, on commence une église. Et c'est facile en Tunisie? Et Pardon. ils sont ouverts dans d'autres On religions? a eu, un sérieux problème parce que pendant un temps, ils avaient tout fermé. Ah. Ouais, toutes les églises avaient fermé. Il y a quoi, 2 ans à peu près. Hein. C'était OK. très difficile. Hein. Surtout avec l'avec le mouvement des étrangers et tout. C'était assez difficile. Donc, et puis là, nous commençons une nouvelle église en Pologne. Ça débute dans 2 OK. semaines. Wow. Ouais, donc on était là il y a quelques mois. Et là, c'est le lancement. Et nous avons une cellule en Martinique qui va bientôt commencer à devenir une église. Et puis au Québec qui va aussi. Voilà. Wow, c'est parfait ça. Ouais. Qu'est-ce que vous pourriez dire à un pasteur qui vous suit maintenant, qui est arrivé peut-être à un niveau où il s'est dit, bon, je crois que je vais arrêter. Mais quand il vous suit, il vous dit, mais lui, il a connu apparemment pire que moi. Quel conseil vous lui donnez? Ne faut jamais arrêter. Tu dois avoir la conscience de qui t'a appelé, même si tu as tout perdu. Il nous donne l'exemple, c'est une pensée qui me vient, de Psaume 92. On nous dit, le Seigneur compare le juste à un palmier qui a de l'espérance. Lorsqu'on coupe ses branches, il repousse. Donc, en d'autres termes, tu peux avoir l'impression que tout est fini. Est-ce que tu marches correctement avec le Seigneur? Amen. Si ta marche, elle est correcte avec Dieu, si tu essaies de faire exactement ce qu'il veut, le problème aussi, c'est que certains ne font pas ce que Dieu veut. Voilà. Ne forcez pas la main de Dieu. Je vous l'ai dit au départ, moi, je ne me voyais pas un numéro 2, franchement. Et je le dis, hein, je n'ai pas honte de le dire. Donc,
Mais je ne savais pas que Dieu m'appelait à ça. Parce que vous avez déjà, vous avancez déjà, vous servez déjà, vous avez déjà visité beaucoup le de pays. Le plus important. Vous exercez déjà votre ministère. Le plus important est là, pasteur. Le plus important, c'est qu'il y a, il y a des gens qui seront mieux être des numéros 2 aux côtés de quelqu'un. Voilà. Et Dieu ne les a pas appelés à tel nom. Oui. Et ils souffrent. Mmh. Le plus important, c'est être là où Dieu veut que tu sois et faire exactement ce que Dieu veut que tu fasses. C'est là que tu as le succès. C'est là que Dieu te donne l'impulsion, Dieu te donne à percer. Mais si tu fais ce que Dieu, il dit, le Seigneur soutient les personnes qu'il a appelées. Okay. Ésaïe 42, vous pouvez le lire. Okay. Donc, il dit, voici mon serviteur que je soutiendrai. Okay. Si Dieu ne te soutient pas, tes études, tes compétences, tes relations, ton onction, ça ne servira à rien. Les gens pensent que c'est l'onction qui bâtit l'Église. C'est Dieu. Amen. C'est Christ qui bâtit son Église. Amen. L'Église grandit par l'assistance du Saint-Esprit. Amen. Ce n'est pas par tes compétences. Amen. Vous voyez, Dieu te demande d'être fidèle. Dieu te demande d'avoir la sagesse, l'intelligence, d'avoir des aptitudes pour faire asseoir le travail. Mais la façon dont les choses grandissent, tu ne sais pas. Wow. Ça c'est, le, c'est une, ça, ça, c'est le domaine de Dieu. Donc, voilà pourquoi tu ne peux pas aller dans l'œuvre de Dieu sans le Dieu de l'œuvre. Oh, ah, ça, c'est bien. Vous pouvez répéter ça, c'est tu fort, ne ça. Peux pas aller dans l'œuvre de Dieu sans le Dieu de l'œuvre. Amen. Non, il ne te soutiendra pas. Voilà pourquoi certains souffrent. Moi, je pense que si vous êtes dans cette situation, posez-vous les bonnes questions, remettez-vous en question. Peut-être que Dieu ne vous a pas demandé. Mais s'il vous a réellement demandé de le faire, persévérez. Vous verrez le bout du tunnel. Amen. Il va se glorifier. La gloire de Dieu va éclater. Mais si ce n'est pas le cas, arrêtez de forcer. Arrêtez de forcer la main. Et puis, soumettez-vous aussi aux autorités. D'accord? Okay. Certains font l'œuvre de Dieu, mais ne dépendent pas. Vous savez, j'ai découvert avec le Seigneur depuis très jeune qu'avec Dieu, il n'y a pas d'électron libre. Ok. Voilà. Christ vient soumis à son Père. Oui. Le Saint-Esprit soumis à Christ. Oui. Paul soumis aux apôtres de Jérusalem. Oui. Un grand apôtre oui. soumis aux apôtres. Donc, cette notion de soumission à l'autorité et de redevabilité est très importante. Même Timothée soumis à Paul. Timothée soumis à Paul. Plein d'exemples comme ça dans la parole de Dieu. Donc, aujourd'hui, pour plusieurs raisons, il y a des personnes qui ne veulent pas fonctionner de cette manière parce qu'elles veulent être... Voilà, simplement le ton libre. Ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. Moi, j'ai un père spirituel et j'ai des pères que j'honore, que je respecte et qui ont un droit de regard sur ma vie, sur mon message. Ok. D'accord? Et sur ma moralité, sur tout ça, sur ma famille, parce que tout ça, c'est important. Réussir dans le ministère et détruire sa famille, c'est un échec. Ouais. Réussir dans le ministère et socialement ne pas percer, c'est pas, ça ne va pas. Donc, j'ai su aussi, avec le temps, rééquilibrer les choses sur le plan social, sur le plan professionnel. Et je crois que tout ça, c'est important pour permettre à l'homme de Dieu. Certains rentrent dans le ministère parce qu'ils veulent s'en sortir financièrement. Oui, ça, c'est surtout un problème qu'on, voilà. qu'on là, a chez nous. Là, je pense que vous faites déjà fausse route. Ouais. D'accord? Moi, je serai un bon homme d'affaires. Non, lui, en fait, sans, il s'est dit, sans l'Église. Regarde, le pasteur Douglas, il a persévéré. Et puis aujourd'hui, il a acheté un bâtiment des millions. Donc, si je persévère aussi, le ministère peut exploser. Et c'est souvent ça, le problème que nous avons, que d'autres personnes ont. Ils viennent parce qu'ils veulent, ils se disent qu'il y a des gens qui ont réussi, financièrement. Et ils pensent que c'est un moyen aussi de réussite. Malheureusement, comme j'ai dit, j'ai plusieurs casquettes. Ouais. Je vais dévoiler d'ailleurs une des casquettes ici. Ouais. Je suis aussi mandataire immobilier. J'ai fait des études en immobilier. Ah, ok. Donc, je sais comment travailler dans ce domaine-là. Ok. D'accord. Je suis un coach de plusieurs personnes. Ok. Donc, je sais comment m'en sortir. Je travaille dans le conseil. Ok. Je sais comment m'en sortir. Il y a des choses que j'aurais pu faire. C'est à cause peut-être du ministère qui me réduit un peu mon temps. Les grâces, les bénédictions, certaines bénédictions que Dieu m'a permis d'avoir, si je vous dis que 90% je les ai données à Dieu, vous ne me croirez pas. Wow. D'accord. Des sommes très, mais très, très importantes pour avoir ce qu'on a. Si vous êtes leader, vous devez être le premier à sacrifier oui. par rapport à votre vision. Vous devez être le premier partenaire. Et c'est ça.
Donc, les gens peuvent voir les résultats, mais ils ne savent pas le prix à payer. Oui, combien vous avez Mais sacrifié pour en arriver le là? prix à payer, il est juste énorme. Juste énorme. Au point où tu te dépouilles de tout simplement pour la cause du royaume. De la même manière, Christ s'est dépouillé de sa gloire Ouais. pour venir nous servir avant que le Père ne l'élève. Eh bien, tu dois passer par une zone, un temps, une période, une saison où tu dois te dépouiller pleinement. Donc, tu n'es pas dans l'œuvre pour prendre. Tu ne dois pas venir pour être un jouisseur. Oui. Tu dois venir pour être un acteur, celui qui donne. Le Voilà bon même berger pourquoi donne sa vie pour Paul, le quand il troupeau. donne les caractéristiques d'un homme de Dieu, parmi les éléments à vérifier, il ne doit pas être une personne qui est trop avide de l'argent. Avide de gain. Malheureusement, donc ça, c'est un problème. Si vous voulez réussir sur le domaine financier, domaine matériel, faites des formations, battez-vous, diversifiez-vous. Sinon, vous allez monnayer la grâce de Dieu. Amen. Vous allez monnayer l'évangile. Vous allez monnayer les prédications. D'accord? Et là, vous allez perdre la grâce de Dieu. Voilà. Ce que Dieu nous a donné n'est pas comparable à de l'argent. Paul a dit, l'apôtre Pierre a dit à Simon le magicien, que ton argent périsse avec toi, car tu as cru que le don de Dieu sacré a pris d'argent. D'argent. Donc c'est tellement précieux qu'il faut le chérir, qu'il faut le préserver par une vie de discipline, une vie de consécration, de sainteté, de pureté, en refusant toute sollicitation qui ne cadre pas avec la volonté de Dieu. Donc faire très attention parce que l'argent a fait tomber beaucoup de gens. Donc je préfère l'argent que je préfère pardon la grâce de Dieu à l'argent. L'argent. Parce Amen. que la grâce va amener l'argent, Amen. pas l'inverse. Wow. Ça, c'est fort, ça. Retenez ça. Mais 11 ans déjà, depuis que CEP existe, et en 11 ans, vous avez écrit combien de livres déjà? Dieu m'a permis d'écrire 9 livres, le 10e va sortir d'ici là. Vous faites comment? Avec tout ce que vous avez comme occupation. Justement. Donc avec les livres aussi, comme j'ai dit, ça aussi, ça fait partie donc de mes sources de revenus aussi. Ok. Par contre, j'ai en deux versions. Vous avez la version électronique que je mets gratuitement Ok. à la disposition de tout le monde parce que je ne vais Ok. pas prendre la parole de Dieu. Donc c'est sur notre site internet. Donc les gens peuvent aller télécharger. Voilà. Mais Bien quand sûr. tu veux la version papier, ça coûtait un coup. Oui, Et parce qu'il faut l'imprimer et voilà, tout. l'imprimer et tout. Et puis c'est aussi quand Dieu te donne un don, par tes dons, là, il te bénit aussi. Oui. Voilà. Donc c'est. Et voilà. Donc j'ai écrit. Mon premier livre que j'ai écrit, c'était Ministère et Message d'Élie pour la fin de temps. Ok. Oui. Et après ça, j'ai écrit sur la séduction spirituelle. Voilà. J'ai écrit sur le C'est quoi temps la 1. pensée? C'est les choses spirituelles. Oh, parler que nous vivons le temps des séductions, le temps de la fin caractérisé vraiment par la séduction. C'est d'ailleurs le message que j'ai apporté à Philadelphie, au centre, Dernièrement. Oh. le mercredi, Ok. sur les esprits séducteurs. J'ai développé un peu sur l'origine de la séduction, les types de séduction et comment est-ce que ces séductions, le diable qui est le grand séducteur, qui travaille avec des esprits des séducteurs, comment est-ce qu'ils arrivent à séduire justement les enfants, d'abord le monde entier, la terre entière, mais principalement les enfants de Dieu pour les égarer de la voie du Seigneur. Ok. Voilà. Et après, j'ai parlé sur la séduction de tome 2, je parle de cette femme prostituée, Jézabel. Jézabel. Dans la Jézabel antique, la Jézabel qu'on trouve dans l'église de Thyatire et la grande prostituée qu'Apocalypse 17 est en train de Qui nous est encore vivant présenter. jusqu'à aujourd'hui Ah ben d'ailleurs. bien sûr. Et avec un grand mouvement religieux appuyé par un système politique qui va s'établir à la fin des temps, justement, très bientôt avec tout ce qui est tout le mouvement, voilà, des choses un peu compliquées. Compliqué. Voilà. Et qui vont instaurer donc la religion mondiale. Il va y avoir un gouvernement mondial, il va y avoir une religion mondiale, d'accord? Où l'antichrist va régner, où le faux prophète, qui est la bête qui monte de la terre, va régner. C'est cette Babylone. Et OK. cette Babylone qui, dans les prochains jours, vont tomber. Amen. Donc ça, c'est la pensée. Et le troisième tome, on parle un peu de la séduction dans l'Église. Comment est-ce que les esprits séducteurs opèrent maintenant dans les Églises en amenant un autre Jésus, un autre esprit et un autre évangile? Ce que Paul dit. Il dit, comme le serpent avait séduit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Et puis j'ai écrit sur la puissance de la croix de Jésus. J'ai écrit sur un livre sur les femmes. Femme, Dieu t'appelle, le tome 1 et le tome 2, pour relever un peu, mettre un peu en avant le ministère des femmes, OK. qui est malheureusement beaucoup détruit, Combattu, c'est vrai. combattu.
Surtout mal compris. Hein, mal compris. Quand on imagine que s'il n'y avait pas une femme, on ne serait même pas sûr que Jésus est ressuscité. Et voilà. Mais si je dis toujours, pasteur, pourquoi souvent dans la plupart de nos écoles, ce sont les femmes qui enseignent nos enfants, mais à l'église, on ne veut pas que les enfants m'empêchent. C'est juste une petite... Bon, je ne vais pas faire un débat c'est là-dessus. Voilà, donc... Ok. Très bonne question. Hein. Répondez-nous. Répondez-nous. Ok. Et celles qui passent le plus de temps avec les enfants dans une maison, c'est la maman. Oui. L'éducation d'un enfant, l'éducation. En fait, c'est la plupart. C'est pour ça, si tu épouses une bonne femme, il y aura une bonne éducation de tes enfants. Une mauvaise femme, mauvaise éducation. Donc, les influences. Juste qu'il y a une mauvaise compréhension. Bon, dans ces livres, je ne veux pas tout étaler ici, ce n'est pas l'objectif. Donc, peut-être prochainement, on pourra parler de ça. Okay. Et, voilà. Et puis, j'ai écrit sur briser les liens spirituels et puis le ministère de Jésus-Christ. Et voilà. Il y a d'autres livres qui viennent sur la vraie délivrance. Comment être épanoui, obtenir la vraie délivrance et être épanoui. Ça s'appuie sur 3 Jean, verset 2, où Dieu dit que je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Ok. Voilà. Wow. Et c'est impressionnant. Comment on fait pour se procurer de vos livres? Je pense qu'on va laisser... je compte mettre même un bureau ici que les personnes puissent avoir des livres, mais sinon, commander, c'est sur Amazon. Ok. Je ne sais pas si Amazon ici aussi. Ici, non, mais les gens savent commander. Ils savent livrer ici. Voilà. Il y a des agences qui livrent. Voilà, donc vous avez ça sur Amazon. Sinon, vous allez sur notre site internet www.sepresurrection.org. Ok. Là, vous allez trouver, vous allez sur la rubrique boutique en ligne et vous allez trouver donc ces livres en version électronique, vous pouvez télécharger gratuitement. Bientôt, ça sera également sur l'application CEP Résurrection. Okay. Et là, facilement, vous pouvez télécharger l'application pour avoir des notifications en cas de messages, mais aussi télécharger gratuitement tous les livres. Avez-vous déjà pensé à faire aussi vos livres en version podcast? Oui, c'est en projet, on est déjà en train de travailler là-dessus. Ah, heureusement, donc c'est le même esprit. Non, ça aidera beaucoup des gens, oui. Surtout, vous voyez des gens qui font des longues routes. Mmh. Par exemple, je vois en Europe, quand ils prennent les trains pendant leur route, ils ne peuvent pas lire, ils peuvent être couchés, mais ils peuvent rebobiner les livres. Mmh. Moi, je connais des livres que j'ai appris, j'ai eu à connaître certains orateurs par des livres en audio. Mmh. Qui m'ont beaucoup béni après, et puis après je suis tombé sur les livres en texte. Mmh. Mais c'est aussi une stratégie. Tout à fait. Et puis bon, disons, il y a des gens aussi qui ne sont pas forts en lecture. En lecture. Tous les moyens sont bons. Donc, c'est essentiel que le message arrive. Et je suis aussi directeur donc, d'un magazine de l'église intitulé CEP Mag. Ah, vous avez un magazine? Oui, on a un magazine. On a déjà 14 numéros, 13 ou 14 numéros. Oh, vous parlez de quoi, là? Là, on parle, en tout cas, de l'actualité chrétienne, un peu partout dans le monde. Et on met juste l'emphase un tout petit peu sur quelques activités de l'Église. Okay. Et c'est plutôt un magazine chrétien pour le monde francophone. Oh! Oui, oui, c'est CEP Mag. Et puis là, on vient de lancer un nouveau magazine, mais c'est plus interne. C'est la Gazette. Okay. Là, c'est pour donner un peu les informations sur tout ce que nous faisons. Un peu... Parce que, on est quand même en train de s'agrandir pour avoir, se rafraîchir, avoir aussi la pensée de ce que Dieu me communique comme message de l'heure. Mais la vision, parce qu'à l'époque, vous faisiez beaucoup de campagnes d'évangélisation. Depuis un certain temps, vous avez un peu stoppé, bien vous comptez reprendre? Je compte reprendre, j'ai stoppé parce que je ne pouvais plus tout faire, je ne pouvais plus aller dans tous les sens. Okay. Vous comprenez qu'avant j'étais numéro 2, maintenant je suis numéro 1. Ah oui, c'est pas facile. Donc, il faut peut-être trouver un numéro 2 qui va faire ça aussi. Voilà, donc il fallait déjà bien former, il faut former des enfants qui ont la vision, qui ont capté le cœur. Les gens peuvent comprendre la vision. Les gens peuvent être excellents, avoir des capacités, des dons, mais sans avoir le cœur du leader. Oui, ça c'est important. Vous voyez, le cœur, c'est la base. Mm-hmm. Le cœur, c'est avec le cœur qu'on donne, qu'on fait. Donc, il fallait d'abord prier, puis demander à Dieu que Dieu puisse susciter. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, il y a de plus en plus des bien-aimés qui ont capté ce cœur et qui sont en train de faire le travail. Donc, petit à petit, je me prépare déjà. Une fois qu'on va rentrer dans notre bâtiment, quelques temps après, ça va être maintenant l'ouverture des campagnes d'évangélisation. Wow. Alors, par rapport à ça, j'ai prié à Dieu, j'ai demandé à Dieu une chose. J'ai dit, c'est vrai, j'ai passé sur quelques chaînes déjà. Pendant un temps, on travaillait notamment MCI,
Casarema aussi, Oui, que je salue d'ailleurs, pendant un temps, un long moment d'ailleurs. Alors je voulais, puisque j'ai aussi un fardeau pour la RDC, depuis un certain temps, confirmé aussi par mon père spirituel. Alors dans les prochains jours, dans les prochains mois, je vais certainement commencer les actions à caractère évangélique, comme les campagnes, l'évangélisation, des conférences aussi. J'avais demandé un signe. Et le Seigneur, je veux que tu m'ouvres les portes de la télévision. Et me retrouver à Metanoia TV ici, c'est un signe. Amen. Donc, je sens et je pense, par la grâce de Dieu, que dans les prochains jours, c'est ce qui va commencer à te faire. Amen. On partagera bien évidemment avec vous, notre ici. Chaîne télévision, Metanoia TV. C'est chez vous ici. Mais voilà, il y a quelque chose quand même que beaucoup de gens, peut-être, n'ont pas encore découvert de vous. C'est que vous avez... Vous êtes plus connu dans le domaine de la parole. C'est vrai que la parole de Dieu, c'est ce qui transforme, etc. Mais Dieu vous utilise aussi beaucoup dans les miracles. Mais on voit très peu de vos vidéos là-dessus. Oui. C'est exprès ou c'est une recommandation divine? Alors, je ne dirais pas que c'est une recommandation divine. Je vais dire juste que j'avais changé un peu de stratégie. En 2011... J'avais tenu une croisade devant une campagne d'évangélisation à l'île de la Réunion. Oui. C'était en plein air. Oui. Il y avait beaucoup de gens. Et j'avais parlé sur la délivrance. Il y a eu beaucoup de cas de délivrance et beaucoup de miracles. Alors, il s'est avéré que ça a été filmé, c'était mis sur Internet. Et j'ai eu beaucoup de menaces. Oh. Oui, par rapport à ça, par rapport aux manifestations et tout, et tout, et tout. Alors, comme je commençais l'église, j'avais déjà beaucoup de pression sur le plan médiatique. Oui, à un moment donné, oui. J'avais même quitté les médias. À un moment donné. Okay. Donc, pour essayer un peu d'apaiser la situation. Okay. Donc, avec tout ce qui arrivait, ça venait un peu de partout. J'avais donc décidé, pendant un temps, de couper toute la partie exercice du ministère. Ah, ok. Voilà, voilà pourquoi souvent les prédications, quand c'est à l'église, quand c'est au moment des services, on enlève, on floute. Ok. Et quand c'est ailleurs, ben on coupe. Ok. Voilà. Mais le Seigneur m'a repris parce que j'ai voulu plaire aux hommes, malheureusement. Et nous ne sommes pas d'accord avec ça. Voilà. Alors, je me répands devant Dieu et devant vous aussi. Ok. Voilà. Okay. Donc, depuis quelques mois, maintenant c'est publié. Ah, ok. Voilà. Et nous en avons besoin. Nous, chez nous, ici. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Okay. J'ai animé quelques veillées de puissance. Vous le voyez, les cultes de vendredi, souvent, les cultes de dimanche, c'est un peu difficile parce que nous avons deux services et le temps souvent est très, très, très serré. Mais souvent, les cultes de prière, les cultes de vendredi, c'est les cultes où, voilà, des fois, on déborde. Nous, on commence les cultes à 19h jusqu'à 21h, des fois, on va jusqu'à 22h. Wow. Tellement qu'il y a la présence de Dieu, des gens sont guéris, délivrance, il y a plein de choses. Il y a beaucoup de témoignages. En tout cas, on vit beaucoup de témoignages. Mais c'est étonnant. Quand on voit le milieu où vous êtes, apparemment, on a l'impression que dans le milieu où vous êtes, on n'y croit pas beaucoup. Ouh là là, je vous assure. On ne croit pas beaucoup à la spiritualité. Il y a des gens qui croient. Il y a des gens qui sont touchés. Il y a des gens qui... Même les Européens. Et les Européens qui sont touchés. Oh. Ouais. Des gens qui nous suivent. J'ai fait une série d'enseignements il y a quelques années sur détecter et vaincre l'esprit de la sorcellerie. J'ai parlé de ça... dans l'église, dans les familles, dans le ministère, dans les relations. J'ai eu beaucoup d'appels, plus des autochtones français que des Africains. Sérieux? Des gens qui quittaient l'intérieur du pays, les provinces, des gens qui quittaient d'autres pays, il y en a même qui sont venus de l'Amérique. Oh! D'accord. Pour qu'on puisse prier pour eux, être délivrés. Donc, il y a vraiment une soif de spiritualité. Il y a une quête de spiritualité, mais elle est masquée un peu par tout ce qu'on voit. On a l'impression que ces gens n'ont pas... Il y a beaucoup d'occultisme en France. Beaucoup. Ah bon? Beaucoup, beaucoup. Je sais de quoi je parle. Et je pèse très bien mes mots. Waouh! Donc, et ces gens sont captifs. Et ces gens crient. Ils ont besoin des personnes et des ministères qui doivent... voilà pourquoi je me disais, Seigneur, fais grâce pour que ce qui se fait... soit entendu et vu par un grand nombre. Oui. Parce qu'il y a des gens qui crient quelque part, mais ils ne savent pas vers qui se tourner. Oui. Et sachant que nous sommes aussi dans un temps, il y a des mélanges, il y a aussi des gens qui ne font pas ça avec les bonnes motivations, qui mélangent aussi avec les mauvaises pratiques. Et on se retrouve mis dans le même lot. Voilà. Fait.
Mais je crois que Dieu, c'est lui-même qui met un peu la marque de démarcation Entre les entre vrais les et vrais et les les pleins. faux. Et voilà. Donc, ceux qui veulent, en tout cas, nos services, en tout cas, on est disponible. D'ailleurs, là, je vous informe d'ailleurs qu'il y a 2 mois, nous avons même lancé une plateforme de l'Église Ses Présomptions en ligne. Ah, ok. Parce que l'objectif, c'est de toucher et d'aller vers toutes les personnes qui sont dans les coins reculés où il n'y a pas d'église. Parce que il y a des concentrations d'églises, je parle bien de l'Occident, dans les grandes villes. Ouais. Vous allez dans des petites villes et dans les villages, il n'y a pratiquement pas d'église. Oui. Et les gens sont là-bas, les gens souffrent. Oui. Donc notre objectif, c'est aller aussi vers eux. Or, et là-bas, ils n'ont pas de problème de connexion, Non. l'Internet, ce n'est pas un problème. Donc, on peut Justement. les On atteindre peut les atteindre. tout en restant concentré là où vous êtes Voilà. d'habitude. OK. Et il y a un pasteur qui les gère. Ah, Voilà. OK. Et il peut tourner, circuler, aller aux besoins, répondre aux besoins des uns des autres. Wow. Et s'il y a vraiment un besoin d'établir une église, ce récent, eh ben nous prions. Si Dieu nous confirme, eh ben on établit une église. Wow. Pasteur Douglas, c'était merveilleux. Et vous avez appris tout ça en Europe? Ou ce sont des choses que vous avez découvertes au fur et à mesure, les réalités ont fait que vous vous adaptez aussi? Je dirais, il y a déjà une base, il y a une base de la parole de Dieu. J'aime beaucoup la parole. Oui. Et vous savez, il y a beaucoup de la parole dit beaucoup de choses. Ok. Si on ne comprend pas trop le temps de la parole de Dieu. Et puis, je me considère comme un éternel étudiant. Ok. Donc, j'aime apprendre. Apprendre des aînés, apprendre des pères, apprendre des amis, apprendre même de quelqu'un qui vient de commencer aujourd'hui. Dès l'instant, ce qu'on fait est bon. C'est biblique. Et ça glorifie le Seigneur. Ça gagne des âmes. Tu verras, tu me verras là. Wow. Voilà. Donc, j'ai pas de limite. Wow. Donc, du coup, je me forme constamment, je m'adapte, je visite aussi les églises, je vois comment ils font, j'apprends. Récemment, j'étais par exemple là chez TD Jakes, j'ai OK. vu, j'ai vu. Ça m'a donné des inspirations pour notre bâtiment. Voilà. Donc, j'ai visité la Cité Royale, voilà, visité beaucoup beaucoup d'églises, même au Canada. Au Canada, il y a des grandes églises. Anglophones, ah oui, vous allez surtout du côté de Toronto, ah ben oui. On ne le présente pas. On croirait pas. On ne croirait pas. Donc, du coup, ça m'inspire. Je vois comment les apôtres fonctionnent, comment est-ce qu'ils travaillent, comment, déjà au niveau de. Parce qu'un apôtre, c'est d'abord quelqu'un qui établit les gens dans la foi, Ouais. d'abord. Avant d'établir les gens, des églises et tout, donc il engendre. Et tu vois que, bon, Dieu t'a donné quand même une petite grâce dans ce domaine-là. Et c'est ce qu'on fait. Donc, je travaille beaucoup dans la formation, aussi bien didactique que pratique. Donc, tous les fils et les filles qui sont là, ils peuvent me suivre, hein, qui me suivent d'ailleurs, ils savent. Donc, je jette les gens dans l'eau. Wow. Hein. Vous y allez. OK. Comme celui qui va travailler au niveau de la Pologne, c'est un jeune pasteur. OK. Mais on voit, je les jette à l'eau. Wow. Voilà. Donc, plusieurs personnes, donc on les forme dans la prédication, on les forme dans la gestion des choses. Et puis, petit à petit, les gens, avec les défauts, bien évidemment, on les corrige, on les Dieu forme, utilise les voilà. gens comme ça. Et petit à petit, ça sort. Et on sait voir en vous que vous avez laissé cet esprit-là d'atteindre les extrémités de la terre. Et ça vous anime tout le temps. Et vous vous dites sûrement, puisque je ne serai pas allé partout, il faut que je trouve des gens, que C'est la j'engendre des stratégie gens de Jésus. Jésus a pour formé et atteindre. puis il les a relâchés. Paul a donné cours à l'école de Tyrannus et l'Asie mineure a été embrasée en peu de temps. Je crois que c'est possible. Il ne faut pas se limiter. Et ça demande du travail. Ça demande vraiment une grande intimité avec le Seigneur. Ça, je ne vous mens pas. Vous ne pouvez pas être partout, mais vous devez d'abord être enraciné en Dieu. Voilà pourquoi des fois on est un peu rare parce qu'on veut juste être avec le Seigneur pour entendre ce que Dieu veut et puis essayer de faire. Et petit à petit, Dieu fait son œuvre. Amen. Avec nous, bien évidemment, avec beaucoup d'autres partout dans le monde. Voyez? Mais lorsque Dieu vous appelle dans un ministère, donnez-vous à 100%. Soyez pas dispersés. Beaucoup d'entre nous aujourd'hui, on est trop dispersés. En même temps, tu commences là, en même temps, tu es là, en même temps, tu es là. Non, faut être focus. Comme j'ai dit, je sais ce que je dois faire, je suis focus dans mon travail,
Et même quand je me déplace à Kinshasa, ne vous inquiétez pas, Tout tout est... est en train d'être travaillé et je suis tout à la lettre. Waouh. Donc c'est ça qui fait que bah, les choses évoluent. Et on se voit, votre travail, vraiment, vous travaillez avec l'excellence et c'est quelque chose d'encourageant. On essaye en tout cas, j'encourage chacun d'entre nous à mettre vraiment du cœur et à faire les choses avec excellence. L'excellence ne veut pas dire avoir beaucoup d'argent. Ouais. Voilà, beaucoup de gens quand on ne pose pas d'excellence, disent, mais non, nous on n'a pas Ouais. l'argent, non. Dieu est contre la médiocrité. Pour vous montrer que Dieu est un Dieu excellent, décrivez-moi la Nouvelle Jérusalem. Ah, il y a de l'or partout. Voilà. Quand vous décrivez la Nouvelle Jérusalem, vous essayez de vous transposer à votre vie ici, vous voyez Ouais. l'écart. Donc, Dieu dit à Moïse, vous construirez les tabernacles selon le modèle que je te montrerai au ciel. Donc, le OK. modèle est au ciel. Donc, nous devons nous rapprocher du ciel dans tout ce que nous faisons. OK. Et l'or et l'argent sont à Dieu. OK. Donc, lorsque votre motivation, c'est ça, c'est pas autre chose. Pour qu'on atteigne le maximum de personnes. Parce qu'il y a des types de personnes, des catégories de personnes qu'on ne peut pas atteindre si on n'a pas un certain niveau, un Wow. certain standing. OK. Un niveau déjà intellectuel. Parce C'est que tu important. es spirituel, mais il faut ajouter à la foi la La connaissance, connaissance, ouais. toutes ces vertus, c'est très important. Donc, ne pas se limiter. Beaucoup se limitent en fait. Moi, c'est moi la Bible. Non. Lis les livres. Je suis un grand lecteur. Moi, je passe ma vie à lire. Quand Tu peux j'ai le aussi temps. enseigner en passant par l'actualité et Ah, ça ben, attire bien quelqu'un qui n'est sûr. pas trop Bible, mais dans Dans l'actualité, ça l'actualité. l'attire. Et ça l'attire, ça les captive, et il est touché, et se convertit. Dieu peut se servir de n'importe quel moyen pour gagner les âmes. Paul dit, je me suis fait tout à tous pour gagner un plus grand nombre. Voilà pourquoi il avait un grand impact, parce qu'il avait aussi un grand bagage. N'oubliez pas ça, ne méprisez pas ça. Et faites de ce que Dieu met entre vos mains, faites le meilleur. Développez tous les talents qui sont entre Amen. vos mains. Amen. Que Dieu vous capacite. Et plus vous êtes fidèle dans les petites choses, plus Dieu vous confiera les grandes. Amen. N'enviez pas les grandes. Inspirez-vous de ceux qui font grand, mais n'enviez pas. Amen. De là où vous êtes, quelle est ma prochaine étape? C'est là où je travaille. Amen. Je m'inspire des autres, je rends grâce à Dieu pour ce que Dieu fait avec les autres, je prie pour les autres, je bénis les autres, je peux même déposer ma semence dans la vie des autres, mais je suis concentré sur mon travail. Je ne suis pas distrait. Ça vous évite d'être jaloux, de travailler dans la compétition, dans la concurrence. On n'a pas tous la même grâce, le même fardeau, le même appel, la même destinée. Donc chacun doit être dans son couloir. Et quand tu connais ton couloir, tu n'as pas le temps de jalouser ton frère. Wow. Alors, nous tournons déjà vers la fin. Quel est le mot de la fin? C'est lui qui a suivi cette émission. Vous aimeriez qu'il garde quoi? J'aimerais qu'il garde que Dieu est fidèle. Amen. Dieu est bon. Et si tu es appelé par Dieu, fais-lui confiance. Laisse-toi former. Laisse-toi tailler, étirer. Laisse Dieu te bâtir. Laisse Dieu te briser. Parce que on a pas vraiment touché l'aspect du brisement. Ah ouais. Le brisement, c'est. Et nous pensons que tout ce temps que vous Oh. avez vécu là, c'était le brisement de Dieu. Si tu tiens à ta réputation, tu passeras à côté. Ah oui, ça jamais vécu. Veille à ce que qu'on ne te retrouve pas dans le mal. Tu dois être intègre. OK. Ah oui, tu dois être intègre, tu dois être sérieux. Mais en étant intègre, on te salira. OK. Accepte. Ne vis pas dans des blessures, ne vis pas dans des amertumes. OK. Connais la nature humaine et surtout connais Dieu. Amen. Quand tu sais que l'homme peut t'acclamer aujourd'hui, demain peut te poignarder. Ou celui qui t'a poignardé aujourd'hui, demain peut être ton allié. Alors tu comprends que tout ne dépend que des temps et des circonstances. Et Amen. c'est Dieu qui en est le maître. Amen. Fais-lui confiance. Laisse-toi entre ses mains. Fais exactement ce qu'il t'a demandé de faire, sans regarder à gauche ni à droite. Inspire-toi de ceux qui sont avant nous, parce que ce n'est pas nous qui commençons Ouais, l'histoire. ouais. On ne réinvente pas la roue. Ouais. Il y a des gens que Dieu a mis devant nous. Ce sont des aînés, des pères, des modèles. Honorez-les, respectez-les, inspirez-vous, inspirons-nous. Et puis faisons à notre niveau ce qu'on peut faire. OK. Dieu ne fera jamais ce que tu es capable de faire. Par contre, là où tu es limité, c'est là où tu verras la main de Dieu. Amen. Et là, tu verras, le Seigneur t'amènera de gloire en gloire,
d'épreuve en épreuve aussi, de montagne en montagne, et tu monteras et tu atteindras le sommet. Et Christ sera glorifié au travers de ta vie. Que ta vie soit un parfum, que tu sois le sel de la terre, la lumière du monde. Que tu sois une source d'inspiration, une source de bénédiction, comme l'a été Abraham. Amen. Et je crois que c'est à ça que Dieu nous appelle tous, chacun de nous dans son domaine. On n'a pas tous le même appel. Oui. Si aujourd'hui je me dis, bon, je vais, moi je vais être par exemple comme tel pasteur, tel autre pasteur, je vais passer à côté. Oui. Parce que je ne suis pas lui. On a même, d'ailleurs, quand Dieu nous appelle, nous donne un message, on n'a pas toujours le même message. Non. Donc, j'ai besoin de toi. Ouais. Tu as besoin de moi. Ouais. C'est ça la complémentarité. Ouais. C'est ce qui fera que le corps de Christ. Donc, ce qui fera que nous devons nous aimer, nous souder, nous unir pour être forts. Quand Métanoïa avance, c'est moi qui avance. Ouais. Quand j'avance, je fais avancer l'autre. Ouais. Et c'est ensemble qu'on monte. Amen. Chacun dans son couloir. Le but ici, ce n'est pas dire qu'on est meilleur. Non, au contraire, nous sommes là. Si vous êtes en France, vous êtes ailleurs, vous avez besoin de notre expertise. Ouais. Je suis là, je pourrais vous aider. Comment j'aide on fait les églises. Pour vous atteindre. Okay. Toujours passer par le site. Non, je peux vous donner mon numéro. Ok, d'accord. Je ne suis pas compliqué. Ah, okay. J'ai dit toujours, si Jésus, on peut le voir. Jérémie 33:3, invoque-moi, je te répondrai. Pourquoi nous, on doit mettre trop de protocoles Je sais qu'il y en a qui sont très dérangés et tout, mais je pense qu'il faut quand même qu'on ait le côté à qu'on soit accessible. Okay. Un côté où on n'est pas trop accessible parce qu'on a beaucoup de responsabilités, on doit prier, c'est tout à fait normal. Oui. Mais aussi un autre côté où on est des hommes. Oui. On n'est pas de Dieu, on n'est pas spécial. On est, voilà, c'est simplement la grâce qui nous distingue, qui nous distingue, c'est tout. Mm-hmm. Ben, nous sommes des hommes de la même nature que nous tous. Donc, pour ceux qui veulent nous contacter, donc nous sommes, mon numéro c'est le 0033 6 08 05 82 07. Ok. Oui. Donc, vous avez besoin d'une aide, d'une assistance. C'est des bien-aimés qui sont venus en France, qui ont voulu s'établir dans les églises. Je les ai aidés. D'ailleurs, je me dis aussi, pourquoi on ne veut pas voir les autres venir s'implanter quand quelqu'un vient. Plus on est nombreux, plus la parole de Dieu est encore répandue. La région parisienne, on est près de, on est plus de 13 millions. Combien d'églises a 5 000 membres? Très peu. Okay. Ça veut dire que tous ces membres-là vont où? Soyons nombreux. Mmh. À Kinshasa, il y a combien de membres? Même si on dit qu'il y a des grandes églises et tout et tout. Combien de membres? Combien? Combien sont encore perdus? Il y a trop d'âmes dehors. Voilà pourquoi nous ne soyons pas dans une compétition. Soyons dans la complémentarité. Tenons-nous la main. Et chacun, là où Dieu t'a mis, sois sérieux. Sois juste sérieux. Le problème est là. Quand on n'est pas sérieux, l'autre est sérieux, on devient jaloux. Voilà. Non. Mets le sérieux dans le travail. Sois discipliné. Sois organisé. Cherche Dieu de tout ton cœur et travaille, tu seras choqué des résultats. Amen. Wow. Et que Dieu vous bénisse. Amen. Et pour finir, le pasteur Douglas, il y a une extension ici, à Kinshasa? À Kinshasa, non, parce que nous sommes avec plusieurs églises. Ok. Oui. Donc, par contre, à Brazzaville, donc à Diata, pour ceux qui sont de Brazzaville, nous avons sept résurrections. À Diata, conduit par, dirigé par le pasteur Chrislin, Mungu, d'ailleurs que je salue. Et vous pouvez venir. Salutations, pasteur. Voilà, vous pouvez venir nous rejoindre si vous n'avez pas d'église d'attache. Okay. Et si vous avez une église d'attache, accrochez-vous, travaillez, soyez sérieux et avancez. Mais si vous cherchez une église, ou bien que l'Esprit de Dieu vous demande de venir à cette résurrection, je ne suis pas trop d'avis à dépouiller les autres églises pour faire une église. Mmh. Non, je crois qu'on doit travailler pour la cause du royaume. Exactement. Donc, par contre, si c'est des églises où il n'y a pas Christ, il n'y a pas Dieu, en fait, ce n'est pas une église de Jésus. Oui. C'est une église, mais qui n'est pas de Jésus. Oh, voilà. Alors là, s'il faut sortir, il n'y a pas de problème. Mais quand c'est l'église de Jésus et que vous êtes bien, travaillez. Vous pouvez nous suivre pour être édifié, mais soyez une pierre vivante pour votre église. Et nous, on va se concentrer à gagner ceux qui n'ont pas d'église et les païens. Oui. Oui. Faux. Parce qu'ils sont encore nombreux. Ils sont nombreux. Voilà pourquoi, pasteur, continuez les campagnes d'évangélisation. Oui. Beaucoup sont dehors. Mm-hmm. Ne nous limitons pas aux quatre murs. Beaucoup sont dehors. Je bénis Dieu pour Métanoïa TV. Gagnons du terrain, gagnons des âmes. Et nous allons être partenaires. Amen. Voilà, pour que cette œuvre puisse encore aller de l'avant. Et c'est ça notre cœur, c'est que nous travaillons pour le même royaume. Amen. Un royaume qui est divisé ne subsiste pas. Ne subsiste pas. Ouais. Donc si on est unis, on est fort, eh ben on va, il y aura plus de résultats, plus d'impact. Et au ciel, nous aurons des couronnes. Wow. Voilà.
Donc, je n'ai pas besoin de casser mon frère pour avoir ce qu'il a. Non, besoin qu'ensemble, qu'on soit fort. Qu'on se tienne la main. Qu'on se tienne la main. Et qu'on aille plus loin. Et qu'on aille plus loin. Que la parole de Dieu atteigne les extrémités. Que la parole de Dieu atteigne les extrémités. Donc, nous, on est dans un terrain, prier pour nous, qui n'est pas facile, avec beaucoup de lois qui sont contre l'avancement de l'Église. On a vu un peu ce qui s'est passé avec les Jeux Olympiques. Ça, ce Donc, c'est d'ailleurs là, nous sommes dans un temps, plusieurs églises d'ailleurs réunies, dans un temps de 40 jours de jeûne. Nous continuons ce temps-là, pour prier par rapport à tout ça et demander à Dieu de relâcher encore sa grâce pour que nous gagnions encore plus du terrain. Parce que ce qui a été fait est un message, c'est un signal pour le monde entier. C'est même un hôtel, les gens ne savent pas. C'est un hôtel, oui, les gens ne savent pas. Et si vous lisez l'histoire de la France a une histoire assez lourde, vous voyez. Donc, c'est pas pour rien que Dieu nous a aussi placés en France, à Paris précisément. Exactement. D'accord, c'est vraiment le capital dans la francophonie du monde, vous voyez. Donc, il y a quelque chose qui se passe. Donc, il y a vraiment des hôtels, ils ont sacrifié sur des hôtels qui a là au culte. Mm-hmm. Et nous, nous devons remettre à jour l'hôtel de la croix de Jésus pour que les vies soient sauvées, pour que les âmes viennent. Et que ceux qui avaient abandonné la main de Dieu, qu'ils soient réveillés. Parce que bientôt, la trompette, la septième trompette, la dernière trompette va sonner pour que l'Église aille rejoindre son Seigneur dans les airs. Moi, je crois en l'enlèvement. Amen. Et c'est biblique. Et nous devons nous y préparer. Amen. Vous avez suivi. C'était le pasteur Douglas. Donc, si vous voulez suivre ces contenus, c'est à travers le site www.cepresurrection.org et aussi sur YouTube, Cep Résurrection toujours. Et si vous voulez lire, parce que vous savez, des fois, les prédications, c'est 2 heures du temps. Mais Dieu inspire ses serviteurs des beaucoup de messages avec beaucoup, qui prendront beaucoup de temps. Voilà pourquoi nous, ils font des livres et nous vous conseillons de lire ces livres. C'est sur Amazon, vous cherchez le pasteur Douglas et vous verrez tous ces livres. D'ailleurs, même à partir du site, il y aura sûrement les moyens avec lesquels vous pouvez vous procurer ces différents livres. Soutenez l'œuvre de Dieu. Car évidemment, comme vous savez, l'œuvre de Dieu a besoin de beaucoup de finances. Et ensemble, nous pourrons faire des exploits. C'était donc le pasteur Douglas Kyungera de Cep Résurrection, Paris. Nous vous donnons donc rendez-vous, comme vous savez d'habitude, donc la semaine prochaine à la même heure, avec une nouvelle découverte. Et nous croyons que Dieu va encore nous édifier. Pasteur Douglas, c'était un plaisir. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci beaucoup. On a passé des moments merveilleux. Et nous vous disons au revoir chez vous. Donc, bye bye, ciao, que Dieu vous bénisse.